Bonjour tout le monde, et à une deux minutes voilà, d'attente, de, le temps de renommer les fichiers. On est de retour sur Destiny. On a fini l'activité à la partie juste précédente. On va appuyer sur L1 pour voir ce que c'est que les accomplissements. Donc c'est tout ce qu'on a réussi à faire dans le dans la partie apparemment. Fracasser le sol d'accord. Cette amélioration de vol contrôlé d'accord. des améliorations, des trucs qu'on a fait, c'est cool. Rapport d'activité de la mission, et ça c'est résumé de la mission. On peut voir que j'ai euh, tué 58 personnes, que je ne suis mort zéro fois, j'ai fait un frag... Euh, 18 frags précis, donc c'est sûrement des tirs en pleine tête. Et frag de capacité, c'est sûrement grenade. Ouais je pense que c'est ça, je pense que c'est grenade. Alors excusez moi je règle un peu le, le bras du micro pour qu'il vienne pile devant ma bouche. Non pas longtemps il n'y aura plus de déco, j'ai commandé une petite mousse pour mettre sur mon micro. Techniquement ça devrait passer. Euh, vraiment ex expérimental parce qu'il n'y avait pas exactement les dimensions qu'il me fallait. Mais ça devrait le faire. Bon bref, on est là pour jouer à Destiny. Euh, on va appuyer sur Triangle pour continuer. Ah, longtemps en triangle, attention. Longtemps triangle. Vous avez pu voir dans la vidéo juste, juste avant qu'on a rencontré une personne qui euh, devait juste lancer son, son jeu. Et nous, on est là euh, sur un vaisseau spatial génial. Alors, on va aller euh, dans euh, amélioration. Hop, on va appuyer sur options. On va voir ce qu'on peut améliorer. Apparemment, on peut améliorer le casque qui a 18 de défense. Est-ce qu'il est plus classe Ah ouais, il est plus classe. Euh, on n'a pas de nouveaux gants, pas de plastron, pas de jambes, pas de couche, euh, pas d'armes. Ah, une nouvelle. Euh... Une nouvelle automatique. Oh, 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 impact de l'arme. Elle est pratiquement à fond. <laughs> je, je change. Je change. Oui, volontiers. Et l'équipement. J'ai quoi dans mon équipement bah, J'ai toujours les mêmes choses. Je vous avais promis de, de tester euh, aujourd'hui. Waouh, qu'est-ce wow, okay, que c'est sa mission Griffe d'esclave, d'accord. Euh, oh, il est classe le robot. <laughs> Sans déconner. Il est vraiment classe. Euh, répertoire, je sais même pas ce que c'est. Personnage, ça c'est moi le répertoire. Ah bon, ça c'est mes amis qui l'ont. Vous voyez par exemple, il y a ShuiFu Fou qui, euh, qui, qui vient juste de terminer de le télécharger. Je l'avais sur Skype juste avant et qui est déjà niveau 3. Il vient juste de le lancer sûrement. Euh, hop, euh, donc c'est bon. Là j'ai juste à faire rond, choisir la destination. Donc là on est dans l'espace. On va faire croix. Oh là là, c'est quoi ce système euh... Alors là c'est la tour. Euh, la dernière cité Terre. Là on a la Terre. Ancienne Russie. Ah d'accord. En fait on va sur Russie. On va en Russie. Là c'est la tour. Une épreuve. Exercer votre talent et remporter la gloire en affrontant d'autres gardiens. Bon c'est le mode multijoueur. Je ne vais pas vraiment y aller. C'est pas vraiment intéressant. On va aller sur la Terre. Ah et on peut choisir où est-ce qu'on va. C'est cool ça. Euh, explorer le cosmodrome. Bah on va essayer de spawner là où il faut. Ça c'est sûrement des missions. Elle, faut faire quoi Ancienne Russitaire, un ami ici. On, on va, je crois que c'est le début ça. On va y retourner. Courageux, niveau 3, moins D'accord. Alors par rapport au niveau, on perd nos, nos points d'armure. Pour éviter qu'on qu soit euh, trop puissant pour les niveaux, euh, les niveaux qui sont euh, sur le... Sur, bah, dans la zone tout simplement, hein, comme un MMO, sauf que dans un MMO, si, si vous êtes niveau 50 et que vous, vous retournez dans une zone niveau 3, bah, les niveaux 3, ils se font défoncer, ni plus ni moins. Mais là, c'est équilibré. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, certains rapports disent que les déchus du cosodrome défendent fermement les vieux relais cosmiques. Peut-être qu'il y en a-t-il un de leur chef là-bas. Bon, je pense que ça me redit le même blabla. Mais sans déconner, le vaisseau, il est classe. Nous, on est des gardiens, je crois qu'on vient de Mars ou un truc comme ça. Je crois que c'est une partie de la colonie humaine qui est de Mars. Je peux dire des conneries, mais c'est dans ces eaux-là, dans l'espace, voilà. Hein, c'est une ou deux planètes à côté. Je, je, je donne pas du tout hein, une, une information approximative. Absolument pas, je tiens à le préciser. C'est totalement faux. Bon, on retourne sur la planète. Normalement, je devrais tomber sur euh, mon copain. Okay. Euh, qui est là? Là-bas, il y a des ennemis. Ouais, c'est exactement Et là où on commence au début. Alors, je ne vois aucun well, pseudo. Ouais. Alors, ça relance exactement la même mission que tout à l'heure. Normal, parce que l'a déjà fait. Mais là, on va vraiment tester les véhicules. Alors, les véhicules, on avait fait comment? Je crois que c'était. Ouais, c'était ça. Invoquer le véhicule. Hop. Oh yeah Regardez-moi cette belle moto. C'est classe. C'est comme un MMO. Alors R2 pour foncer et L2. Non L2 pour foncer. Et j'ai oublié ce que c'était l'autre touche. R2, je sais même plus à quoi ça sert. Euh... On va essayer de couper. Hop, écraser. Ah ouais, c'est franchement classe. Bon, le maniement un peu space. C'est franchement classe. Ah ouais. Y'a rien à dire. Euh... Non, on n'était pas passé par là. Ah si, on était passé par là. On va aller voir si... Euh, je sais même pas si on a une carte. Je vais me stopper ici. On va regarder si on, si on a une carte. Et après, on passera sur... Euh, sur luminosité, format d'écran, voix, touche, par défaut, caméra, par défaut, regard par défaut, répertoire, personnage... Euh, qui est Kinder, je me destine à inspecter. Je sais même pas ce que c'est dire inspecter, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir le... Le personnage de notre ami. On va continuer par ici, par ici, hop et sans déconner cette moto elle est vachement <rire> agréable à <laughs> conduire. C'est dingue. Hein. En plus elle est classe, design, c'est très très classe. Je pense qu'on va repartir. Parce que en fait, il n'y a personne, il n'y a pas mon copain. J'aurais cru. Euh, donc c'était ça. Hop. Aller en orbite. Alors on va voir ce que c'est que aller en orbite. C'est un chargement. Super. On a un chargement lorsqu'on va en orbite. Voilà, c'est... C'est pas vraiment très très classe. J'aurais préféré un, une animation d'un vaisseau qui descend sur la planète et qui, euh, qui nous dise euh, voilà, je viens te chercher, maintenant tu te démerdes. Et avec une petite phase de gameplay pour sortir de la planète. Ça aurait été sympa. Alors, message, vous avez un message. Euh, la tour, bon bah j'ai pas pu voir le message, on va lancer la tour. Voilà, lancement dans 001. C'est parti, avec un petit temps de chargement, sans déconner cette vue. On enlève le alpha Nicobel, toutes les données qui sont, et en fond d'écran, c'est juste super beau. J'ai envie de le faire, sans vous mentir, j'ai envie de le faire, mais trop de temps à enlever le alpha et Nicobel. <laughs> non, non, si vous, euh, si vous avez une bonne connexion et que vous avez cette vidéo en HD, vous pouvez le faire de votre côté pour avoir un magnifique fond d'écran pour PC ou, ou PlayStation 3 ou que sais-je. N'importe quoi d'autre. Par contre, les chargements sont un peu longs. Certes, on charge une grande carte de jeu, mais là c'est vraiment très très long. On passe peut-être même plus de temps dans les chargements que à jouer. Mais mais ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on a plusieurs univers, off... euh, plutôt plusieurs univers. On a plusieurs planètes qui sont accessibles dans le jeu final. Ce sera comme ça. Là, on a que la Terre et, et, et la petite euh, petite boule blanche, je pense. Mais c'est vrai que Ah, en plus, on peut bouger la. Non, <laughs> j'ai dit on peut bouger la caméra, mais en fait c'était script. Mais c'est vrai que dans le jeu final, ça pourrait être vraiment sympathique. Ah voilà, là vous voyez, on a du monde. Donc on est à la capitale. C'est franchement classe. C'est une zone où tous les joueurs se, se regroupent. C'est vraiment classe. On n'a pas de masque, on n'a rien. On peut, on peut juste courir. Alors, aborder. Ça, c'est les. Oh Bonjour. Vous êtes vraiment bizarre. Euh, bienvenue, merci, nous, euh, merci, merci de nous aider à tester Destiny. Ceci est le test alpha, dont le but est de nous assurer que, le, que tout fonctionne lors des utilisations intensives. Sans vous, ce ne serait pas possible. Bah, merci, de rien. C'est gentil. Euh, nous, on va aller là-bas. Je sais même pas si on doit passer par en dessous. On va faire un petit tour de, de piste quand même. Alors, il y a des joueurs. Ici, c'est vraiment une zone MMO, hein. sans déconner. Alors, on peut parler apparemment. Uh, aborder. C'est quoi ça Aborder. Uh, Qu'est-ce qu'il fait uh, Ah d'accord. Ils vont sûrement en grammes codés, en de gantelets, en grammes de matière que le Cryptarc peut décoder pour en tirer une pièce d'armure. Bah, C'est franchement génial. Voyons voir. D'accord, je viens de débloquer un bras et un plastron. Maintenant, si techniquement j'appuie sur le pavé tactile. Et que je ne fais pas ça, parce que c'est pour faire autre chose. Et que je vais dans personnage. Hop Ici je devrais avoir de nouvelles. Euh, de, de nouveaux gantelets. Voilà. Yeah Si c'est pas beau ça. Pourquoi je... Oh faut être niveau 5. Pas cool. Ça va être franchement cool. Sans déconner, ce jeu il est très très bien parti. Là, on est tous niveau 4. On est tous, euh, tous très très jeunes. Question euh, level. Mais c'est vrai que ça peut être super super classe. Euh, salut avec un e. Oui. Euh, C'est quoi ça? Responsable de des épreuves, d'accord. Brigadier de l'épreuve, machin bidule chouette, d'accord. Alors nous, notre but, ça va être de parler au gros triangle vert, plutôt au carré vert, euh, qui est pile devant nous, pour avoir une mission. Bonjour. Bienvenue. Choisissez. Oui. Super. <laughs> Ce que je viens d'acheter. Euh mais refaire mais je vais prendre le casque pouf hein. et là je peux avoir d'autres trucs pour euh, pour moins de pièces et là je, je viens de me rendre compte que je viens de me faire entuber de je ne sais combien de de pognon 21 25 ah non il a quand même plus bon c'est toujours sympathique le casque 41 18 18 il est bien mieux et on a débloqué ça qui permet de la bande de titans, l'histoire, bande ceinture de titans, ceinture. Oh, c'est une ceinture de titans historique, je sais pas où ça vient. Ah d'accord, ça vient ici, c'est juste pour dire euh, notre rang. Je pense que c'est sûrement ça. Et pas de mission Ah d'accord, donc c'est dire que les trucs envers, c'est les missions. Est-ce qu'on peut courir euh, Ah oui, en appuyant sur le stick. Oh là là, qu'elle sprint Mais c'est franchement que là, cette zone, ça me fait penser au MMO, où on est en troisième personne, c'est franchement que là, c'est une porte ça Est-ce une porte Non. Mais c'est vraiment vraiment très très classe. Et là on peut voir la grosse bouboule de Destiny. Moi <laughs> j'allais l'appeler la bouboule, je sais même pas comment ça, ça s'appelle. Et là on a une grande ville en bas. Oh, avec un vaisseau qui, euh, qui accoste. C'est franchement... Et au moins il y a de l'animation, il y a une distance de vue assez, euh, assez agréable. Apparemment je, je crois qu'on est sur la lune là. Par rapport au trailer, je crois que cette grosse bouboule est sur la lune. Ouais et c'est... Euh, Ouais, c'est partir de là que ça s'appelle Destiny, je crois. Euh, ouais. Je crois que c'est sûrement ça, hein. j'en suis pas sûr. Mais là, faudrait qu'on se grouille quand même pour jouer. Euh, on va parler... Euh, bonjour. Euh, je débloque quoi 43, 43, 43, 43. J'ai envie de prendre... Euh, pouf, 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 pouf. Bah, le meilleur... Hein. La meilleure arme automatique. Je ne vais rien acheter d'autre. On va regarder ça. Hop. Donc le prochain objectif est tout là-bas. Mmh. En gros, ne rien acheter à part si on est très haut niveau. C'est quand même très très classe. Hein. Bon, il y a un peu d'aliasing, vous le voyez sûrement sur le drapeau là qui est pile devant. Il y a un peu d'aliasing, mais c'est tellement classe. Je sais pas combien on est. Rompus. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On doit être 16. C'est quand même pas mal. C'est fluide. Moi, bon, il n'y a pas de bug. Pas comme sur Watch Dogs. D'où euh, j'ai joué en mode, euh, en mode décryptage de données et euh, on était chacun pour soi et à chaque fois que je rejoignais une partie c'était euh, TP, TP Land, comme, comme lorsqu'on de, lorsqu fait des courses de voiture. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, il est quelle heure J'ai fini de télécharger la, euh, le jeu vers 23h des poussières et sachant qu'il fait très très chaud, ça... Euh, ça a des effets néfastes sur mon sur mon métabolisme. Euh, résistance, le vaisseau terrestre de classe Arcadia. Donc, soit je débloque un vaisseau. Et je comprends rien. Maintenez le 2 pour accélérer. Soit je. Elle était triste et autant au moment de son arrivée. Euh, grâce à, à, à sa vigueur. Et en... Pff, je prends lequel Soit je prends un vaisseau interstellaire. Soit je prends un truc qui me permet d'avoir plus de résistance. On va prendre le vaisseau interstellaire. Bon, on peut prendre les deux, on va prendre les deux. Hein. Pourquoi s'embêter Je sais absolument pas qu'est-ce que c'est. Quoique, techniquement, on pourrait, on pourrait prendre un vaisseau. Non, on peut pas prendre un vaisseau. Euh, maintenant, j'ai une mission secrète. Non, même pas. On garde la tour. J'ai plus rien. Peut-être que je regarde dans mes, euh, dans mes options. Voilà, équipement. Véhicule, 70 de résistance. L2 pour accélérer, L2 pour accélérer. Ouais, c'est juste euh, la tête qui doit changer. On va changer. Et ici, on a quoi Vaisseau... Ouais, bah c'est un, un vaisseau inter, euh, interstellaire. Je pense qu'on a quelque chose à faire maintenant. Mm -hmm. Là, c'est vraiment une grosse, grosse phase de, de test. Hein. Euh, je sais absolument pas. Aller en orbite. <laughs> pas de soucis. Je veux aller en orbite. Voilà, on n'a plus longtemps sur Triangle. Et puis, pouf. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé euh, qu'on se rende un peu dans les mémos, dans une pièce spéciale. Et là où on voit notre vaisseau décoller un peu à la Star Wars uh, The Old Republic. Ça aurait pu être très très classe. Ça sera peut-être le cas. Mais là, pour le moment, c'est quand même classe. Alors, non, je n'ai pas de nouveau vaisseau. Quoique. Amélioration. Amélioration. Comment j'améliore mes trucs Je ne comprends pas. 15, 17, 21. 21. Il y a marqué amélioration, mais je ne vois pas comment. Tab. Ah bah, triangle, bien sûr. Alors, je peux améliorer quoi La grenade. Vol contrôle. Euh, sélectionner fracasse euh, le sol éliquifié voilà on va améliorer ça donc en appuyant sur L1 et R1 ça peut faire un truc sympatoche maintenant on va choisir une destination on doit avoir une nouvelle mission euh, non 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 alors je sais absolument pas ce que je dois faire parce que ma dernière mission c'était euh, aller en aller en orbite bon faut sûrement retourner sur la terre hein. euh, ouais bah ça doit être celle là hein. Euh, squad, coopération, exploration de niveau 4. On va aller ici. Et on va lancer l'activité, on va la faire ensemble. Whop. Et après, on, on arrêtera là pour, pour, jouer, euh, pour avoir la, jouer à l'alpha de, de Destiny. Voilà, voilà. Alors, je tiens à vous préciser qu'il n'est plus possible de jouer à Destiny. Euh, les, euh, les enregistrements sont finis. Euh, et euh, la prochaine fois, ça sera dans un ou deux mois. Et je crois que dans un ou deux mois, ça sera public. Euh, donc, si vous voulez y jouer, alors je sais pas si c'est que sur PS4 ou ouais bah sûrement, sachant que c'est que PS4 et Xbox One. Peut-être sur Xbox One, je ne sais pas. Euh... Ça, c'est à se renseigner. Voilà, ni plus ni moins. Et sans vous mentir, il fait une de ces chaleurs. Et je suis en France, hein. sachez-le. Je ne suis pas aux États-Unis où il y a un... un joli soleil. Non. Ouh, trop chaud. Alors, chargement terminé. On est arrivé super euh, près. Alors, j'ai pas eu les, les trucs. Alors, l'arme a totalement changé. On a respawn au même endroit. On va tester cette nouvelle, euh, cette nouvelle attaque. Alors, L1 R1 en même temps. Ouh, yeah. Et je parais que si on a. J'ai un couteau. Ah non. Je parais que si. Non, je, je ne l'ai qu'une fois. Mission disponible. Utiliser le navigateur pour localiser. Euh, D'accord, donc je dois aller là-bas. Euh, c'est quoi à gauche euh, Pour localiser les balises et recevoir des missions de la tour. D'accord, on, on c'est par ici. Soit c'est ça. Voilà, on descend. Yeah Recevoir la mission. Ah, oh, c'est du coup par coup elle est très puissante, mais c'est du coup par coup. Ennemi repéré. Euh, fournissez une bonne estimation de l'ennemi dans la division. D'accord, donc il faut que j'aille tout là-bas. Alors ce qui est bien, par contre, pour la moto, c'est pour descendre ses carrés, pour l'invoquer ses carrés. Pas trop de problèmes de touche. <laughs> ce côté-là, ça peut aller. Hop. Sans déconner, c'est franchement classe. Hein. Avec les oiseaux qui s'envolent. Et moi qui vais descendre parce que je n'ai pas envie de mourir. Il bon, y a de l'aide à la visée, hein. moi je suis complètement contre, mais sachant que je n'ai pas bougé euh, les réglages manettes. Ouais, parce que c'est une alpha. Dans le jeu final, je le changerai, mais voilà. là. Yeah, c'est classe. Euh, je dois aller où en fait euh, Hop, ah, c'est en haut, c'est en haut. Est-ce que je peux couper par le camion Voyons voir. Collecter, collecter quoi Collecter les feuilles de mamie euh, chouette. Oh mince, ça se trouve j'aurais pu récupérer plein de trucs tout à l'heure. Euh, hop. Oh 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 le gros coupage Bon je pense que... Ouais le coupage qui, <laughs> sûr, des, des qui ne sert à rien. Bien sûr, je trouve des raccourcis qui ne servent à rien. Ça, ça m'arrive très souvent. Hop, euh, ici il y a quoi là-dedans Prendre le butin. Oh, plein de. Plein de type O. Une propagande, ça c'est bien typique en Russie. Non, je déconne. Euh... Ouais, bah, bah c'est là-bas, on va courir de hein, toute façon. Faut bien s'y diriger. Voilà, c'est en bas. Alors un peu couloir pour le moment. Yeah Ça par contre, ça je sais pas du tout ce que c'est. J'ai beau tirer dessus, c'est. Aucune idée, c'est sûrement des, des mini-réacteurs ou ou des trucs comme ça. Mais sans déconner, rien que l'eau, est... je la trouve bien faite. Meurs, meurs, meurs. Oh non, toi, toi, tu vas pas me. Non. Voilà. Reviens. Reviens qu'on en discute euh, sagement autour d'une euh, tasse de café. Ou de thé, si t'es anglais. Hop. Ça va, il y a du monde là-haut. Oh, 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 oh. Meurs, toi là-bas. Toi ici, meurs. Rebut déchu. Ouais. Il y a bien beaucoup de monde sur cette planète Terre qui n'est plus habitée par l'homme. Ouais, il y a bien beaucoup de monde. C'est louche. Sachant que je suis tout seul en plus parce que je n'ai personne qui m'a rejoint. Mais comme on l'a vu dans la première vidéo, on n'est pas forcément alerté dès qu'il y a quelqu'un dans notre partie. Ah bah ouais, on va continuer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre Là, je le sens pas du tout. C'est quoi ces gros sacs Je n'ai pas confiance. C'est moi ou c'est des petits robots qui volent Ouais sûrement. Hmm, gauche, droite, bah droite. Allez c'est parti. Sans déconner, techniquement, pour une alpha, c'est très joli. La plupart des jeux en alpha, lorsqu'ils sont présentés, techniquement, ils sont très très dégueulasses. Euh, gameplay c'est pas du tout avancé, alors que là c'est totalement différent. Alors voyons voir, vous voyez ici, c ça a l'air d'être de l'éclairage ambiant. Vous voyez, ça bouge. On va bouger le... On va essayer de rentrer dedans. Non, ce n'est pas. On n'a pas encore de. J'ai l'impression qu'on n'a pas de, de, de masque de collision. Non. Bon, c'est de l'éclairage ambiant, mais on n'a on pas, pas d'interaction avec. C'est dommage. Ouh, c'est classe ici. Oh, on est déjà à 21 minutes de jeu. Alors qu'on n'a rien fait, mais rien du tout. Cette vidéo sera un poil plus longue. Euh, Ennemi repéré. Je sais même pas ce que je dois faire. Fournissez de bonnes estimations. D'accord. C'est en haut qu'il faut que j'aille récupérer la mission. Non, 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 toi, tu viens pas sur moi, toi. Et je pense que dans un futur, les, euh, on pourra débloquer des silencieux sur les armes pour passer en, en discret parce que je sens que niveau euh, 20, niveau 30, ça, ça doit être super méga giga de galère. Où est-ce que tu es, toi Meurs, meurt, 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 En plus, eux, ils ont des petites bouboules énergétiques qui sont à tête chercheuse. Et ça fait très très mal. Mais extrêmement mal. Euh... Ouais. Peut-être un autre joueur, je sais pas, non, c'est Nia. Ça se voit comment.. Au déplacement, ça se voit. Ah Arrêtez de me... tirer dessus. On va essayer de se faire celui qui est tout à droite. Oh quoique que lui, il sort... AWOH Eh hey, Bombe Tricheur Bon, on va courir de l'autre côté, je pourrais très bien sortir la moto et y aller en moto. Mais soyons fous. Nous allons y aller en courant. Ouais, vaut-il mieux faire du 40 par balle et euh, tirer euh, et tirer très lentement ou euh, du 30 euh, 36 je crois que c'était ou moindre, je ne sais point. Meurs, 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 meurs. Voilà. J'ai l'impression qu'on est euh, plus mou à les tuer. Ah, voilà. Là, on a des joueurs avec nous. Vous voyez, ils sont arrivés, ils nous aident. Ils sont très très gentils. Hop, merci. Nya. En plus, c'était même pas le joueur, c'était Nya. Hop là, nickel. On s'en sort bien. Et vous voyez, regardez tous ces tanks. Pourquoi on peut pas prendre un tank euh, Surtout que l'objectif, il est juste au-dessus. Euh, hop, on va essayer de passer par là, par là. Est-ce qu'on peut grimper par là Non, on peut pas. J'ai l'impression qu'on a un double saut. On a un double saut. Un double saut un peu bugué, mais on a un double saut. Ouais. Yeah, classe. Euh, qui c'est qui me tire dessus Alors, les grenades, une fois qu'on a appuyé sur la touche L1, elles partent à une vitesse. C'est un peu abusé. Hop, toi t'es mort, toi t'es mort. Eh, hey, meurt, meurs, meurs, meurs. Ennemi repéré, 100%. Okay, we're good. Voilà, on a rempli l'objectif. meurt. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont nombreux dans le coin. Alors mes collègues, je sais pas s'ils sont encore là. Euh... Non, ils ont plus l'air d'être là, ils se sont barrés. Sûrement. Alors maintenant, que dois-je faire Je dois rentrer, donc on va appeler notre moto. Et on va s'arrêter là pour... Euh... Pour cette vidéo, apparemment j'ai l'impression qu'il y en a un invisible. Ouais, saleté de bébête. Ouais, je crois qu'il y en a un invisible. Non, on va se casser. Hop, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, on peut rentrer dans les bâtiments avec la moto. Ça, c'est classe. Voilà, on rentre à la maison. <laughs> en moto, à travers les. Euh... Bon, oui. Je vous en prie. What <laughs> C'est quoi ça c'était quoi, ça Alors, je tiens... Waouh, c'est classe Ça, c'est classe euh, Munition principale pleine. Ça, c'est pas cool. Meurs. Alors, je vais vite faire garder mes... Euh, mes euh, mon inventaire. Non, c'est dans personnage. Euh, voilà. Donc, c'est du 43. J'ai une petite bébête. C'est... M'énerve. 43, 36... Euh, ouais, vaut mieux faire du 36 euh, rapide que du 43 en coup par coup. Euh, ça ne m'a pas changé d'arme. Non, ça m'a pas changé. Non, ah, c'est pas ça ce que je voulais faire. Alors un peu de mal encore côté gameplay. C'est bizarre pourtant ce que ça m'a changé d'arme. Hop, ah, peut-être le rechanger. Pourquoi ça m'a renvoyé là-bas Pourquoi je dois retourner ici Utiliser le navigateur, utiliser localiser, euh, recevoir les missions. Hein ah uh -huh. Il me disait de rentrer tout à l'heure et là il me redemande de venir en arrière. J'y comprends plus rien. Pourtant j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Et là ça me redemande de repartir là. Euh, ouais, 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 je crois qu'il y a un petit problème de... d'objectif. De... Vous voyez, là, ça me dit d'aller par là. D'un coup, ça me dit de retourner là-bas. Hop. Nope. Vous voyez, une fois que je passe là, il me demande de retourner là-bas. C'est assez bugué. Voilà. Donc, euh, on va continuer, on va sortir. Comme ça, on est sûr d'avoir euh, ce qu'il faut. Non. Pourquoi, euh, pourquoi rester à l'intérieur Et je vois... Non, ça ne m'a pas changé d'arme. C'est un peu spécial ça. Arme. Oh, ouais, c'est euh... équipé. Comparé. Voilà, on, va, on les a échangés. Faut peut-être laisser. Oh, oh là là Je prends des dégâts. Petite bébête à la con. Peut-être longtemps appuyée sur triangle euh, non. C'est vraiment très très bizarre. C'est vraiment bizarre, de chez bizarre. Hop là, on va rechanger. voilà. Peut-être pris en compte là Non, ça ne me le prend pas en compte. Bon, je pense qu'il y a encore quelques petits bugs. On va remettre dessus pour éviter qu'il y ait vraiment un plus gros bug. On meurt. On meurt. Plus de balles. Recharge. On meurt. Alors, les, les ennemis sont franchement classe. Voilà, bon. Ouais, ça bug quand même pas mal le, le petit indicateur. Voilà, je sais maintenant qu'il faut que je sorte. Merci bien. Merci bien, merci bien. Ah, alors là, on n'a pas d'ombre portée. Assez... Ah si. Rien dit. Hop. Hop. Là, on ressort. Là on retrouve les joueurs qu'on avait euh, abandonnés tout à l'heure. Euh, J'appuie euh, sur ça, je fais apparaître mon véhicule. Et je sais même pas où je dois aller. Voilà, on va aller au point qui est euh, pas là. <laughs> Ouh oh là là. Je crois qu'on va se mettre dans un petit coin pour se laisser. Voilà, on va se remettre au début. Yeah Classe Voilà. Et en plus la moto, elle reste là. Cool. Bon, sur ce, sur cette euh, victorieuse fin, enfin, à part si je meurs avant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à visiter le site internet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!